Salut à tous. Alors aujourd'hui on est le 6 janvier. Pour aujourd'hui, je vais vous publier une vidéo assez spéciale. Toutes les vidéos que j'ai pu tourner pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe un peu chez moi, enfin chez moi, dehors. Toutes les vidéos que j'ai pu tourner depuis le 1er janvier. En tout cas, toutes les intros, on va dire, que j'ai tournées depuis le 1er janvier. Et juste après, je vous donnerai la vraie intro que vous connaissez avec Baïkal qui grandit, etc. Et vous allez à recevoir une vidéo, juste derrière, vous allez avoir une vidéo qui est un petit peu longue, mais qui vaut le coup d'être vue pour que vous puissiez bien vous moquer de voir à quel point j'ai bien galéré, mais j'ai réussi. Ce sera Je construis mes Cavaletti. Alors, ça fait un moment, un petit moment d'ailleurs, ouais, qu'elle a été tournée cette vidéo, enfin, qu'elle a été tournée, que les vidéos ont été tournées. Et aujourd'hui, j'ai décidé donc de vous les présenter. Voilà, donc pour tout de suite, je vous laisse avec l'intro et je vous dis à tout de suite. Alors aujourd'hui nous sommes le 1er janvier 2021, bonne année, et je viens de me lever, il est 9h et quelques, et ce que je vois, bah, ça fait trop plaisir. Comme vous pouvez le voir, c'est tout blanc derrière, nous avons de la neige, ça fait trop plaisir. Je vais vous mettre un retour de caméra sur Poney, vous allez voir, il est trop chaud. Bonjour ma beauté! Alors cette neige, t'en penses quoi? Bonjour mon bébé Poney! Touche pas les fils, touche pas les fils. Mon bébé! Alors cette neige, ça fait bizarre? Ça surprend, c'est tout blanc comme toi. Oui. Allez va. Où t'en dis? C'est plein tout partout, c'est génial. Mon bébé poney. Mon bébé. C'est trop beau. Alors, aujourd'hui, enfin hier, j'ai commencé à construire mes Cavaletti pour mes obstacles. Alors du coup, après avoir en fait coupé mes planches de bois, on va dire, enfin mes bouts de bois en fait d'une certaine longueur, peu importe la hauteur, la longueur, je m'en manquais, tant que j'avais assez d'espace. Et du coup, on a coupé ça il y a quelques jours. Et hier, du coup, j'ai commencé en fait à dessiner, à mesurer avec une équerre et un stylo. J'ai mesuré en fait la distance que j'avais pour pouvoir donc faire des repères. Et je vais y arriver. Pour faire des repères et donc après donc tracer ce que j'avais besoin de tracer pour qu'après mon compagnon puisse couper. Au dessin, enfin au trait que j'ai fait pour qu'après on puisse les assembler ainsi. Voilà, c'est pas compliqué hein. Je vais vous montrer sur un qui a déjà été fait. Donc j'ai pris les mesures, donc là c'était 16 de chaque côté, j'ai fait mon repère à 16 de chaque côté, j'ai fait mes repères, j'étais à 16 et ensuite j'ai pris donc pour être sûr la dimension en fait du bois que j'ai placé dessus, et pour être sûr j'ai
J'ai retracé par-dessus, malgré que j'avais pris la dimension du 16 en fait. J'ai retracé par-dessus en fait, pour qu'on puisse bien couper correctement ce qu'il faut. Après, donc j'ai fait les petits gribouillis pour qu'ils sachent que c'est ça qu'ils doivent enlever. Donc j'ai pris ma dimension sur le côté de 16. Ensuite, j'ai pris sur le côté là. Donc là, c'était 16 de chaque côté. Et ensuite, j'ai pris ici, en continuant toujours sur 16, mais j'ai pris seulement la dimension de 3,5, puisqu'il faisait 6, il faisait 7. J'ai pris la dimension de 3,5 de chaque côté. J'ai fait aussi mes repères comme le tout début, j'ai continué. Et j'ai fait ça donc sur tous mes cavaletis. Donc j'ai fait ça sur tous mes cavaletis, ce qui m'a donné le résultat de tout ça. Comme vous pouvez le voir, vous voyez, j'ai fait les détails en fait. Qu'ils sachent que bon, ça va partir, hein. Mais qu'ils sachent que c'est là qu'on doit couper. Donc voilà, j'en ai fait 4, 4 de chaque. Hein. Donc vous voyez, 1, 2, 3 et 4. Et du coup, j'ai fait ça de partout. Hein. Ça m'a pris quoi? Pas plus dans ça. Donc j'ai fait mes cavaletis. Aujourd'hui, normalement, voilà. Aujourd'hui, normalement, mon compagnon devrait les couper. Je ne suis pas sûre qu'on va les assembler aujourd'hui, mais en tout cas, je vais vous filmer. Peut-être pas tout, mais je vais vous filmer comment est-ce qu'on les coupe, au moins peut-être un, au moins ça prend quand même pas mal de temps. Comment est-ce qu'on les coupe et après comment est-ce qu'on les assemblera, et puis après je vous donnerai forcément la vision de ce que ça va être. Donc voilà, donc j'espère que on va faire ça aujourd'hui, puis je vous filmerai tout ça. À très vite. Donc la suite de mes cavaletis, je vais essayer en fait d'enlever les trucs ou les enfoncer ou alors de les enlever, essayer d'avancer un peu le travail pour qu'il ait juste à couper. J'y arrive vraiment pas. Peut-être pas avec ça. Et si je prenais autre chose? Parce que du coup, ça, j'arrive pas à le. Bon. J'arrive pas avec un, j'essaie avec l'autre et puis j'essaierai de voir si je peux pas essayer d'enlever avec le temps comme ça peut-être. Non, ça marche pas. Que je voudrais pas que mon cheval se blesse avec ça. Normalement, il devrait pas parce qu'on va faire en sorte qu'il n'ait pas de soucis à ce niveau-là. Mon poney, il est en train de souffler derrière, il me fait rire. Non, j'arrive vraiment pas. J'ai pas trop d'idée comment je peux enlever ça.
Ça occupe. Qu'est-ce que c'est agréable quand il n'y a pas de voiture, nom de Dieu. Ah, j'ai un scooter qui passe. Scooter ou une moto, je ne sais pas trop. Bref, quelque chose qui ne devrait pas passer par chez moi. C'est une moto. Oui, j'ai réussi. Quand on veut, on peut. Ah bah oui, hein, ça se blesse, hein, c'est normal. Attends. Histoire de voir si je peux pas en enlever un peu plus. C'est en fait, c'est quoi? On dirait une sorte de cavalier en fait. Ah oui, je me demandais si je savais plus pourquoi il y en avait. Oui, je me souviens. Parce qu'à la base, ça servait pour justement. Bah celui-là j'y arrive pas. Bon, passons au prochain. Bah celui-là non plus, j'y arrive pas. On sait lequel numéro celui-là. Numéro 3. C'est lequel celui-ci? Numéro 2. Numéro 1. Ouais, je les ai tous montés parce que ça vaut mieux en tout cas, de toute façon. Parce que sinon on va être pas prêt de s'en sortir. Bref, donc j'ai pas réussi. Je recontinue tout à l'heure. Ok. Parti pour la suite, donc pour essayer de cavalquer. Parce que pour le coup, c'est moi qui
monde le fait et je suis super contente. Donc j'ai déjà fait deux. Je suis au troisième. Mon compagnon a fait le premier. Comment faire? Maintenant, j'ai fait les autres. J'en fais donc le troisième, quatrième. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Thank you.
Et voilà, le bouquin est assemblé maintenant. Voilà.